Hello, comment ça va tout le monde? Alors, j'ai rechangé de position à comment ça s'appelle? À ma perche, quoi. Enfin, mon truc là, voilà, hein, le truc pour filmer. Vous me direz si c'est mieux ou pas, parce qu'apparemment, là où je l'avais mis avant, c'était pas terrible. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, vous verrez bien ce que je fais. Donc, on est sur notre mois d'octobre, et oui, octobre est là. Pas dans pas longtemps. Parce que quand je vous fais cette vidéo, forcément, vous l'aurez après. Mais moi, je veux absolument le faire maintenant, étant donné que le mois d'octobre va commencer et qu'il faut absolument que mon bullet soit prêt pour commencer mon mois d'octobre. Voilà, parce que voilà, vous voyez, j'ai déjà commencé. Oups là! J'ai déjà commencé quelques petites bricoles. Mais là, il me manque encore ces deux pages-là. Alors oui, je ne vous montre pas, par exemple, comment je vais pouvoir faire ça. Hop, j'ai des feuilles. Hop, voilà. Je ne vous montre pas forcément, hein, voilà, mon budget, parce que c'est personnel, que ça me regarde moi et personne d'autre. Mais sachez que donc j'ai ma page budget. Vous me redirez si elle vous intéresse. Et dans ces cas-là, le mois prochain, je la ferai avec vous en vous expliquant comment je fonctionne, mais sans mettre mes tarifs dedans. Voilà. Vous me redirez ça? Je compte sur vous. Ensuite, là, j'ai tout ce qui est organisation YouTube. Voilà, donc les vidéos que je compte vous faire. Mon organisation du groupe Facebook. Donc, voilà. Et donc, on va s'occuper d'ici. Et ici, je ne vais pas rentrer mes infos perso dessus. Mais je veux vous montrer comment je la fais. Voilà. Donc, ça s'appelle le Monthly Log. Je vous explique. Qu'est-ce qu'un Monthly Log? Le Monthly Log, en fait, c'est la vue mensuelle. Voilà, ce sera notre vue mensuelle du mois d'octobre. Alors, je vais enlever. Hop, voilà. D'ailleurs, ça aussi parce que du coup, voilà, du coup, ça va pas. Bon, bref, vous voyez que, comment ça s'appelle? La page que nous avons faite précédemment, donc notre page de garde du mois d'octobre, on la voit un petit peu à travers. Pour ma part, ça ne me gêne pas du tout parce que quand on va écrire... très franchement, on n'y prêtera même pas attention. Voilà. Donc, c'est pas dramatique. Bon, là, j'avais commencé à préparer ça, mais je n'avais pas pensé du tout à ma déco. Et comme j'ai envie que cette page soit décorée, eh ben, voilà, je n'y avais pas pensé au moment que j'ai préparé pour vous faire la vidéo. Donc, je préfère gommer. Et puis, on repart à zéro. Et du coup, je repars nickel avec vous. Voilà, voilà, voilà. Donc, je m'explique. Je m'explique. Voilà. Donc, forcément, vous aurez compris qu'on aura des cases à faire. Puisque c'est le monthly log. Et que le monthly log, en fait, si vous vous rappelez, on a un future log. Alors, le future log avec vous, je l'ai fait. Il n'y a rien dedans. Mais bon, c'est pas grave. Il est où le mien, là? Je l'ai mis où? Bah, en fait, comme j'ai repris celui-ci correctement en plein milieu, n'est-ce pas? Il est là. Là, j'ai l'index, les clés, l'index et mon future log. Voilà. Donc, j'ai mon future log. Ici, vous voyez, j'ai le mois d'octobre. Hein, on est d'accord. Donc, tous les rendez-vous que j'ai notés au mois d'octobre, je vais aller les reporter dans mon monthly log de ce mois-ci. Voilà. Si on a des vacances, si on a des choses comme ça à noter, on peut aussi les mettre dans le monthly log, ce que je ferai aussi par rapport à mes filles. Et pour ça, j'utiliserai ceci, ce qui s'appelle des washi. Voilà. Alors, on arrête de blablater et on y va. Donc, je vais réutiliser donc la même chose que sur ma page de garde. Pour garder un semblant de cohérence dans mon mois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces petites feuilles-là. D'une, parce que ça élimine hein, les feuilles 15-15 de chez Action. Très franchement, ça m'aide à les éliminer. Ça décore très vite et on ne se prend pas la tête. Voilà. J'aime la simplicité, les choses simples. Et sans prise de tête dans mon bullet, moi. Hop. Bon, par contre, ça me plaît pas du tout. Donc, hop. Il faut pas que ça soit trop droit. Voilà. Ce côté-là, il me gêne pas, mais ce côté-là, ça me gênait. Voilà. Donc, je vais venir faire un petit collage. Donc, comme hier, ou avant-hier, ou je ne sais plus quand est-ce que je vous ai fait la page de garde. Bref, je vais venir faire un petit collage. Hop. Donc, vous voyez, simple, rapide, efficace, c'est ce qu'il nous faut dans notre bullet.
Enfin, moi, je sais que je ne veux pas prendre 3 heures à faire un mon bullet parce que c'est censé me faire gagner du temps et non en perdre. Voilà. Donc, hop. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais prendre n'importe quel stylo. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme stylo qui me plairait pour mettre monthly. Je vais pas réécrire octobre pour la simple et bonne raison, c'est que la page de garde, elle est juste devant. Hein, allez, c'est la page d'avant. Donc, c'est pas le plus... Hop, voilà. Je vais juste écrire monthly, en fait. Hop. Je sais même pas si ça va se voir. Donc, c'est pas grave. Pour que ça se voit, je vais repasser par-dessus. Voilà. Et ça se voit un petit peu plus déjà. Hop. Et pourquoi pas insister à certains endroits, histoire de faire comme un petit dégradé. Voilà. Donc là, on aura notre monthly. Pour cela, donc il me faut des cases. En l'occurrence, 31, puisqu'il y a 31 jours en octobre. Donc, il va nous falloir une petite règle, parce que moi, ça, les traits comme ça, j'arrive pas à les faire à la main. Donc, je préfère les faire à la règle. Voilà. Donc, ce que je vais faire, déjà, on va commencer par tirer un trait, hop, ici. Alors, nous avons 7 jours dans la semaine, n'est-ce pas? Donc, il va nous falloir 7 cases. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir. Je vais garder ma base de tout à l'heure, ici. Puisque j'avais déjà calculé le nombre de cases. Donc, les cases, elles me suffisent. On va dire que ça se termine ici. Par contre, il y a 5 semaines. Si ma mémoire est bonne, j'ai 5 semaines. Donc, ici déjà, hop, il va nous falloir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Hop. Il va nous falloir 5 semaines. Si je fais ça, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 semaines. 1, 2, 3, 4. Semaines, 1, 2, 3, 4, 4 semaines, 1, 2, 3, 4, 5 semaines, ça me semble pas mal. Allez, zou, on part sur ça. Hop, donc, hop, 5 semaines, ça, hop. Par contre, du coup, mes objectifs, et ben je vais les mettre autrement, c'est pas grave, je vais trouver autre chose, ce n'est pas grave du tout, parce que là, je vais pas avoir assez de place, je pense, pour mettre mes objectifs du mois. Hop. Mais ce n'est pas grave du tout, étant donné que on va trouver une astuce. Et je vais vous la montrer en même temps. Voilà, voilà. Alors, du coup, on avait mis nos cases. Donc, apparemment, c'était ici. Donc là, on a dimanche, n'est-ce pas? J'aurais dû commencer par le lundi. Bon, c'est pas grave. Donc, on a dimanche. On a samedi. On aura vendredi, jeudi. Alors, d'habitude, je fais sur deux pages. Oui. Cette fois-ci, je me suis dit que de prendre deux pages, c'est un peu bête. Puisque, finalement, c'est juste pour les rendez-vous, les récaps. Le reste, on n'a pas besoin de grand-chose à écrire dedans. Donc, je dirais que avoir des grandes cases ne me sert pas à grand-chose. Si je peux économiser mes pages de bullet, c'est pas mal. Donc, je vais essayer ce mois-ci dans ce style. Et puis, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, hop, je vais reprendre, je vais prendre celle-ci cette fois-ci. Je vais venir en mettre en bas, histoire de décorer ma page quand même. Alors, j'ai pas sorti mes stickers aujourd'hui. Voilà. J'ai pas sorti mes stickers. Bon, c'est pas très grave. On peut ne pas utiliser de stickers non plus. La preuve. Moi, je veux juste décorer un tout petit peu, on va dire, ma page sans prendre trop de temps. Et en même temps, si je peux éliminer un petit peu ce que j'ai en stock, ça m'arrange. Voilà. Hop. Voilà. Hop. On va dire que c'est un petit peu décoré, pas de trop non plus. On va reprendre un stylo, je sais pas, mais je vais prendre le... Allez, je vais prendre le rose. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire... Alors, je vais juste faire un petit coup, hop, dans les cases.
Hop, voilà. Donc ça se voit pas spécialement, hein, mais bon, c'est pas grave. On a lundi, mardi. Alors mercredi, il va falloir écrire tout petit. Jeudi, le vendredi, écrire tout petit. Samedi et dimanche. Voilà. On a bien nos jours de la semaine. Le premier tombera jeudi. Oui, c'est ça. Donc, hop, je vais faire des ronds. Hop, premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31. En gros, ici, on a 3 jours qui servent à rien. Ici, on a une journée qui sert à rien. Voilà. On va reprendre le petit stylo, mais je vais pas prendre celui-là. J'aime prendre mon bleu. Hop. Et je vais venir donc noter dans les ronds le 1, le 2, etc. Voilà, donc là mon mois est prêt. Je remplirai quand je serai toute seule. Par contre, là, j'ai envie de mettre mes objectifs et je n'ai pas assez de place parce que celle-ci, elle peut être consacrée à autre chose. Et donc, je vais reprendre, pourquoi pas. Dans ces cas-là, mes objectifs. Et hop. Ça me paraît pas mal. Alors, je pourrais pas faire tout le mois, je pense, avec les mêmes feuilles. Hein. Je pense qu'à un moment donné, je vais avoir épuisé mon stock de feuilles, mais c'est pas grave. Je pense que dans les blocs, il y en a d'autres, hein, donc je regarderai ce qui reste. Ensuite, eh ben, je vais prendre un washi, mais j'aurais voulu un washi qui aille avec ça. Alors je reviens, je vais aller chercher quelque chose. C'est pas avec le stock de washi que j'ai, hein, que j'en manque. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter tout de suite mes objectifs. Hop. Alors objectif, je vais le noter en très bonne question. En quoi je vais pouvoir les noter, mes objectifs? En quelle couleur? Histoire de les garder bien à l'esprit tout le mois. Ah, mais je les ai retrouvés. Donc, les feutres que je vous disais l'autre jour, ils sont là, en fait. Voilà. Ils sont tous là. Voilà, voilà. Rangés dans une trousse, en fait. C'est tout bête. C'est tout bête. Bon. Donc, ici. Oh, j'ai un cheveu qui m'embête. Hop. Alors. Hop, ça, voilà, objectif, et puis je vais mettre un petit bout de washi, hop, là, voilà. Alors, mon objectif numéro 1, par exemple, ne pas reprendre la clope, ce serait bien ça, hein, ne pas reprendre le tabac. Ensuite, en 2, rester organisé. Et en 3, j'aurais bien mis qu'est-ce que j'aurais pu mettre en 3? Ne pas prendre de retard dans les échanges.
Si j'en ai d'autres qui me viennent par la suite, rien ne m'empêche de venir l'ajouter ici ou même derrière. Donc là, forcément, je ne vais pas la laisser comme ça, ma feuille. C'est un coup à la perdre. Donc, comme je ne veux pas la perdre, je vais reprendre mon washi. Alors, celui-là, il n'a pas l'air de coller beaucoup, mais enfin. Je vais en mettre un petit morceau ici. Voilà. Hop. Je vais en remettre un petit morceau derrière. Bon, ben là, je ne sais pas comment j'ai utilisé de couper, mais c'est pas tip-top. Hop. Et forcément, je ne veux pas que... il se touche pour la simple et bonne raison, c'est que je veux que ça fasse, voilà, un petit, hop, voilà, on va faire ça comme ça, et lui, je vais le mettre ici, voilà, voilà, c'est juste parce que je veux que ça me fasse, bon, alors comme il colle pas, c'est un petit peu chiant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais y remettre de la colle. Ce sera peut-être plus simple parce que là, il n'a pas l'air de coller des masses. Et du coup, ça ne fait pas ce que je veux. Bon. Ce qui est pratique quand on ne veut pas que ça colle de trop. Mais ce qui n'est pas pratique quand on veut que ça colle. Voilà. Donc là, je recommence. Maintenant que j'ai mis de la colle. Hop. Je forme mon petit pli là. Voilà. Je vais venir faire pareil. Là, je vais remettre de la colle. Hop. Et je vais venir le coller là. Voilà. Et là, du coup, ça reste. Voilà, ça fait une page dans la page. C'est nickel. Alors, le 1, 2, 3, on ne le voit pas spécialement, mais ça, c'est pas très grave. Il suffit de reprendre son stylo. Hop. Et de réécrire le 1. Hop. Voilà. Le 2. Hop. Et le 3. Voilà. Bon, mon 3, il se voit plus. Voilà. 1, 2, 3. Donc, ça, c'est fait. Impeccable, hop, on a nos objectifs pour le mois. Ici, c'est tout ce qui sera en fait la to-do list du mois. Tout ce qui n'a pas de date précise, donc on s'en fout de les faire le 10, le 20, le 15, le voilà, hein, ou même le 31. Je vérifie que ça filme toujours, mais apparemment, oui. Je bois un petit coup de café quand même. Voilà. Donc là, ce sera la liste qui n'a pas de date précise. Voilà. C'est à faire dans le mois, mais sans date. Voilà, c'est à faire. Donc, je vais refaire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire hop, un petit montage un petit peu trop grand. Pas non plus que ça me bouffe toute la page. Hein, c'est pas que. Hein. On veut quand même écrire des choses dessus, quand même. Et non, celui-là, il ne reste pas assez. Je prends celui-ci. Voilà. Hop, comme ça, ça me paraît pas mal. Hop, ça. Et donc, je viens coller. Donc là, vous voyez, j'ai fait que des petits collages. Je n'ai même pas fait de tamponnage, en fait. Parce que je ne veux pas non plus noyer hein, mes informations dans la déco. Donc, c'est les informations les plus importantes. Donc, une petite déco rapide, facile, c'est très bien. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. Voilà. Hop. Et puis là, je vais prendre un autre stylo et je vais venir écrire tout doux. Voilà, voilà. Rien de sorcier, hein. On est d'accord, rien de sorcier, tout doux. Alors là, je vais pouvoir noter tout ce que j'aurai à faire donc, durant le mois. Admettons, je m'étais fait une petite liste, elle est là. Des tâches ménagères, par exemple, qu'il faut faire tous les mois, par exemple, hein. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu vous mettre, histoire de vous montrer un exemple. J'ai mon petit stylo là. Et par exemple, donc, ça me gratte. Donc, je vais prendre, par exemple, un autre stylo parce que, non, même pas. Je vais faire ça. Hop. Un petit coup de stabilo. Hop. C'est rapide, c'est vite fait. Et ça paye pas de mine, comme on dit. Donc, voilà. Mon stylo noir, il est là. Alors, ici, j'ai dit cuisine. Je vais prendre mon beau stylo noir et je vais venir écrire cuisine. Voilà. Hop. Et dans ma cuisine, tous les mois, je veux faire alors le grand ménage du réfrigérateur. Donc là, on va mettre hop, nettoyage complet
frigo. Alors, voilà, admettons, je me dis, ah, je le ferai bien, mais le frigo, il est plein. C'est pas grave, on ne l'a pas coché, donc on peut refaire plus tard. On peut mettre, oui, rangement, tri, etc., etc., du garde-manger. Alors, ça, c'est pareil, on n'est pas obligé de le faire tout au même moment. Bon, là, il faut compter qu'il y a plus ou moins 2 heures. Voilà, c'est à faire en plus ou moins 2 heures. Mais on n'est pas obligé de le faire une journée précise. On peut le faire au fur et à mesure. Ensuite, on a nettoyé tout sous les appareils ménagers. Donc, nettoyage sous et des appareils ménagers. Donc, ça peut être en dessous micro-ondes, ça peut être en dessous lave-vaisselle, en dessous, voilà. Ensuite, on va avoir, par exemple, nettoyé l'intérieur des tiroirs et des placards. Donc, nettoyage intérieur des placards. Des placards et tiroirs. Ouais, je vais peut-être mettre les tiroirs quand même, parce que dans la cuisine, j'en ai quelques-uns. Voilà. Donc, voilà, c'est un exemple. Par exemple, moi, j'adore faire ça, parce que pour me motiver à faire le ménage, il n'y a rien de mieux. Pour ne pas oublier, par exemple, de se dire, ah, ça, est-ce que je l'ai fait il y a longtemps ou pas? Je ne sais plus. Je regarde dans mon bullet. Ah, bah oui, je l'ai coché, c'est bon, c'est fait. Voilà. Ça évite, finalement, d'avoir des corvées pas possibles pendant des heures et des heures. Alors que là, par exemple, on a 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure à perdre. On regarde ce qu'il nous reste à faire dans notre ménage et on peut en profiter pour faire un seul truc. Voilà. On n'est pas obligé de tout faire. Ensuite, vous allez voir que la prochaine fois, je vous ferai le weekly log et je vous montrerai encore autre chose. Voilà. Bon, ben là, je ne vais pas faire toutes les tâches avec vous, hein, ce qui reste la salle de bain, les chambres, le salon, la salle à manger. Hein. Donc, ça, je vais le faire moi-même après, toute seule. Ici, c'est pareil, il me reste à remplir donc tous mes rendez-vous, si ma fille est en stage, si elle n'est pas en stage, si c'est des vacances, s'il n'y a pas de vacances. Et là, je dis merci le washi, parce que grâce à lui, mon bullet se remplit très vite et en un coup d'œil, je vois exactement ce qui se passe. Donc voilà, donc je pense que pour le monthly log, je pense avoir été assez clair. Vous me redirez s'il y a des questions, si vous voulez que je revienne dessus, si ça vous intéresse que je le fasse aussi tous les mois avec vous ou pas. Voilà, donc on revoit ça. Et puis, moi, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.